Okay, and we're ready for the kickoff. Ok, on est bon. Donc, Klonoa après, très très bon choix. Très très bon choix. Voilà. Alors, je note ça vite fait. Donc, je vais me faire beaucoup plus intelligent. Gros jeu de foot en plus, ça sûr. Mais pour 20 secondes. Klonoa. Door to Phantom Isle. Très très bon jeu. Si je mets toute la phrase, ça va être le bordel, je pense. Bon, attends, je vais mettre à télécharger déjà, comme ça c'est fait. Voilà, il n'y en a pas pour long. Yo, Mikey Mantle, comment on va? Comment on va? Donc, Klonoa, le jeu d'après, très bien. Ça va aller très vite, ça. Donc, ce soir, ce sera du Klonoa, sûr. Ce soir, on part pour du bon gros Klonoa des familles. Ah, moi ça va nickel. Nickel Chromus. Le test d'hier soir a été très concluant. Donc à partir de dimanche, voilà, ce sera 22h, 4h du matin. C'est blindé de monde à chaque fois. Pourquoi ça a lancé? J'ai pas lancé, mais qui est con. Et là, reste à une seconde, si ça peut se faire plaisir. We will rock you. Évidemment qu'on va vous rocker, quoi. Alors attends. Hop. C'est la magie. Gros double, grosse puissance. On revient là-dessus, du coup, ça va. Normalement, ça fait un refresh. T'as vu quelle fin quand t'as fini Silent Hill? Oh, j'ai eu le bad ending. J'ai buté tout le monde, moi, de manière générale. J'ai buté tout le monde, moi, ça me détendait. Ça détend de tuer les gens. Tout ce qui est à base de, tout ce qui est à base de meurtre, tout ça, j'aime bien. Allez, c'est parti. C'est parti, Pro Evolution Soccer 2. Pro Evolution. Bon, c'est la fin la plus facile à avoir, hein, de toute façon. Le chat est mort, non? Le chat n'est pas mort. Pro Evolution Soccer 2. Frenchy! Oui! Oui! Allez! Aucun fichier d'options, mais évidemment qu'il n'y en a pas. Alors, une coupe. Attends, on va regarder les options déjà. Vibration des touches, memory card, réglage du son. Allez, une belle petite coupe. Nouvelle partie. Une coupe plutôt internationale, oui. Ouais. Durée 5 minutes. En facile, un joueur. C'est parti. On va prendre la France. Confirmar. Il y a marqué confirmar. Confirmar. Pardon, les blagues de ce style. Prevolution Saka. Saka. You Saka. Ça sent le revote bientôt. Match d'ouverture. Ouais, en 30 minutes. Ouais, moi je pense que là on va finir pour la fin du stream. Pour la fin du stream, on sera évidemment sur des belles ambiances. Du coup, ça va sûrement revoter en fin d'après-midi. C'est très bien. Alors, comment ça marche? Yoretsan, comment on va? Je suis de ces chers d'aigle.
Passer au match suivant. Calendrier. Voilà. Passer au match suivant. C'est parti. Êtes-vous sûr de vouloir passer au match suivant? Mais oui, c'est un peu le but quand même. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. Ah, la formation. Moi, je veux Cantona. Moi, je veux Cantona. Oh putain, il y a les vrais noms. Oh, je suis déçu. Il y a les vrais noms. Il y a les vrais noms. Où sont Will Tordu et Ziderme? C'est qui ça, Sylvestre? Sagnol. Anelka. Anelka, bordel. Ouais, ça joue. Y a pas Cantona. Y a pas Cantona, je suis très déçu. En bon état. Bonjour, ici Cyril Linette. Notre spécialiste aujourd'hui est Rémi Gard. Salut Cyril. C'est un plaisir de vous recevoir. Ah, bienvenue. Bonjour sur le stream le plus intrépide. C'est un plaisir d'être ici. Les trois francophones. C'est pas qu'il dit, c'est Télé 7 Poche. Groupe Télé 7 Poche. Qualification. Premier match. Allez, joue. Il va rendre vraiment fou. Oh là là, c'était peut-être le meilleur PES de l'univers. Oh, qu'ils sont beaux. Allez, c'est parti. Voici le coup d'envoi. Oh, il pique, Zizou. Oh, Zizou. Ouais. Le terrain est en bon état, bonne nouvelle. En même temps, un terrain international pas en bon état, c'est un peu de la merde. Allez, défend. Bon, ce qu'il y a de bien au PES, c'est que tu laisses appuyer sur croix, ça défend bien. Allez, lance-toi mon golo. Voilà. Il est passé. Oh oui, c'est le but. Oui, c'est le but. Thierry Henry du plat du pied, magnifique. Il l'a poussé dans les filets. Bravo Thierry Henry, bigorne à toi. Bon non, on va pas s'emmerder. On trace. Allez les bleus. Oh Zizou. PES, c'est l'Assassin's Creed du foot à peu près. Ah, attention. On va tenter le plaque au plâtre, attention. Et il évolue sur la pelouse avec une grande élégance. Zizou, bordel. Thuram. Oh, le but comme en 98. Le but comme en 98, dommage. Ils ont droit à un corner. Allez, on y croit. Hors jeu. Il est parti trop tôt. Bah oui, il est parti trop tôt. Bon, je le savais depuis le début. Nigmatul. Enigmatique. Oui, Zizou. On a une touche. Oh, bien joué. Milieu. Oh, bien joué. Le corner. Voilà. Sauvé par le bœuf. Francky qui? Bien joué. Henri. Oh oui, Henri, il remonte, il pique. Belle accélération. Oh, dommage. C'est pas fini. C'est toujours pas fini. Touche. Allez, défend. Defense. Ils vont Colonna. Non. Oui, Fabien Barthez. Ah, c'est pas les mêmes ambiances d'un coup quand même. Allez, pique. On s'est bien vu. Non, mais c'est bien vu. Du coup, c'est bien vu. Il tire. Oh oui, Thierry Henry sur main. Tu leur avances au tableau d'affichage. Revoyons les images au ralenti. Il tente le tir. Il se met en jeu très rapidement. La belle musique. Thierry Henry. Thierry Henry encore. C'est Marseille. France-Marseille. L'équipe de France contre l'OM. Ouais, c'est un match équilibré. Avec de belles forces des deux côtés. Maintenant il faut attaquer. Ce coup
de sifflet signale la fin de la première mi-temps. C'est la fin de la première période. Merci Marcel, merci Cyril, merci Serge. Merci Francis. Jean-Francis au commentaire. La deuxième mi-temps. Alors, c'est bien repris par Thierry Henry qui va piquer. Il pique, que fait-il? Il remonte un peu. Il pousse la balle. Oh, ça passe à côté du poteau. Manque de lucidité à part de Thierry Henry. Je pense qu'il est encore sous le coup de la main contre l'Irlande. Là, c'est le seul truc dont je me rappelle. Compagnon de la chanson. Bien vu. Will Tordu. Yo, Denis Bokarev, comment on va? Oh, how are you, guy? Voilà. Le centre astucieux. Le centre claquette, t'es un cadre. Ah, j'essaie de faire les commentateurs un peu argentins et tout ça, là, qui gueulent comme des veaux. Avec sa tête. Mais j'y crois pas trop. Le ciseau. Oh mon dieu, le ciseau. C'est Monsieur Garrison qui va être content, quoi. Les ciseaux. Russia is fucking football. Yeah, France too now. Les ciseaux, Monsieur Garrison. Les ciseaux. Oh oui. Oh. Oh là 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 là. Et merci pour l'autre, jeune gros. 94 personnes. 94 pauvres malheureux pour ce stream. Désolé les gens, welcome. Bienvenue sur le marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone. C'est pas moi qui le dis, c'était les 7 poches. Voilà. En tout cas, bienvenue sur le marathon. Ici, je m'attelle à finir tous les jeux de la PS1. Dans le dos de la défense. Salut Rachel, comment va? Un nouveau joueur se prépare à entrer en cours de jeu. Si vous aimez bien les marathons, vous allez être servi. Après là, vous arrivez sur un jeu de foot. Et voici un changement. Mais bon. Ça devrait bien se passer. But okay, we're best now. J'ai eu un host d'un Rican il y a 3 heures. Mais c'est cool. C'est cool, jeune gros. C'est cool. Ah, c'est quoi des idées de host de fou. Oh, c'est le but. C'est le but. Superbe. Tout ça va pas forcément utile. Si, ça va être utile dans mes statistiques. Ça va être useful dans mes statistiques. On me demande de partenariat, c'est parfait. Ça monte. Un petit host à 800. Ah ouais, quand même. C'est propre. Putain. C'est très 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 propre. Ouh. On a une touche. So here I have to beat all the PS1 games that came in Europe. It's like 1402 games that I have to beat. So feel free to follow and everything. These are annoying people. Oh, nicely done. Allez, on y croit là, vas-y, De Sailly, Marcel. Marcel De Sailly. L'arbitre a sifflé, c'est la fin de la rencontre. La France, ils ont volé vers la victoire dans ce match inégal. C'était pareil, mais ça va être pas mal. Ouais, non, mais je sais pas si ces gens-là host. Ou du moins host des gens qui commencent. Allez, 4-0. On est sur de belles ambiances. Orateur, connais pas. Yeah, that's very French. But if you have any question, I can answer it in English. There's no problem. But I really have to speak in French, which is my foreign language. So, welcome. Passons au match suivant. Here I have to beat all the PS1 games. That's my challenge. Une brise rafraîchissante souffle sur le stade. Ah, une brise rafraîchissante. Fan de foot ici, Cyril Binet. Comme d'habitude, notre spécialiste est... J'ai pas d'accent texan, les gars. Le match va commencer d'un moment à l'autre.
Oh oui! Oh le but! Easy baby! So I'm sorry if you discovered that stream with that game, but I have to beat all the PS1 games, so I have to do the soccer game, the hockey game, the football game, the basketball game, all kind of game, even fishing, so that's kind of fun. So I just finished Fade to Black. Now I have to win a World Cup on Pro Evolution Soccer, and after that I'm gonna play Clonoa, which is a really good platformer game. Oh, le tir de merde! Le tir de merde! Non, un poil à côté. Oui, mais il ne peut pas se permettre de rater des occasions comme celle-ci. Yeah, Fade to Black was really, really tough. It was really hard to beat, but it was funny, and that's what I like. Oh! Que surpris, Rémi. Oui, mais il ne l'a jamais relâché. Il le donne de la tête. Yeah. Il n'y a pas hors jeu. Allez, on va. Oh là là là. Oh la toté. Ah, y a pas Cantona, c'est pour ça aussi. Y a pas Cantona, les ambiances sont pas savoureuses. Quel gâchis! Emilienko, I don't know him. I'm not good at soccer. I don't really know all the team and everything. I've seen it like everyone when we won the World Cup in France. Oh oui! Oh la sortie, excellent. Il exerce un vrai pressing. Ensemble. Oh, le poteau. Le poteau. Hervé Matou et Franck Sauzé. Allez, Zizou. C'est long. Et c'est long silence qui nous sépare. Attention. La première mi-temps prend fin. Fuck. Ah oui, ça va, ça permet, c'est la mi-temps. Revenons. Et voici le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Good. Coup de tête de Zizou. Il tente un dribble. Oui. Le deuxième poteau. Sans difficulté pour le gardien. Bien, je suis là. The first ones were called International Superstar Soccer, ESS. And then it became ESS Pro Evolution, and then Pro Evolution Soccer. Je vais finir sur un pauvre petit 1-0. Oh, petit, le... Oh, la frappe de petit. La frappe de petit. Pas mal. C'est une combinaison. Que vont-ils faire? Ils sont bons dans le jeu aérien, donc ils peuvent prendre l'avantage dans la surface. On a une touche. Football, suck game. Ciao. Yeah, no problem. But I think I'm gonna beat it quick, like half an hour and done. Trop long pour suivre ici, dans les airs. Ah yeah, Winning Eleven. That was the name on Asia. Voilà une occasion. Japan and everything, they called it a Winning Eleven. Yeah. Depend on where you're from. On va le bouger. Ow! Shit. Oh, Zizou! 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 From Brazil, cool. Thank you.
Brasil, tu fais l'amour dans les fesses. Touche les vagins, amour dans les fesses. Zizou! Il tire! Eh non! Non, un poil à côté! Oui, mais il ne faut pas. Yoro Renoir! Comment va? C'est à partir de dimanche, Roro, que je qui sera ce ballon que je passe au soir. Mais j'avais compris que t'es pas le seul à avoir compris ça aussi. Parce que du coup, cet après-midi, on est pas beaucoup, quoi. On était entre 20 et 30. Donc je me suis douté qu'il y en a plein qui avaient compris que je commençais. Il tente le premier poteau. Non, c'est à partir de dimanche. Là, je finis la semaine comme ça. Et à partir de dimanche, on fera 22h80. Ils sont en train de se désorganiser derrière. Ils doivent se regrouper au plus vite. Mais non. Oh, il a littéralement. Oh, Zizou. Il tire. Oh, Zizou. Oh, Zizou. Let's go. Ils ont 3 buts d'avance. Yeah, I've heard that you have a Master System 3 that only came in Brazil. You have games that made for the Master System that only be on Brazil. It's pretty rare to find in other countries. In Europe, it's like almost impossible to find some games because they only came on Brazil. Ooh, Pires. Oh! Zidane. C'est la fin du match. La France. Ah, c'est la victoire. Ils ont fait très fort. Ah, ils ont fait très fort. Superbe victoire aujourd'hui. Ils ont fait très fort, la France. Alors, Rémi, que pensez-vous de ce. Ils ont fait très fort, la France. Un petit Zizou sur 20, mais c'est normal, on est obligé. Match suivant, oui. Oui, on sauvegardera tout à l'heure. Là, on va passer au match suivant. So, Green DBR, every time I beat a game, I do a lottery and a viewer is picked randomly. And he have to choose a game in the list you have below the stream or with the command. So that's pretty fun. I never know what kind of game I'm going to have to do. I really like it. Ah yeah, I understand. Nous y voilà, c'est l'heure du coup d'envoi. Et merci Roomer pour le host et les bisous. Merci Roomer, envoyez moult cœurs à Roomer, je vous prie. Et les bigorneaux aussi. La passe. Et bienvenue les gens, bienvenue sur le marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Télé 7 Poche. Évidemment, là, on est sur du PES, mais ça va vite changer. PES, le jeu de l'amour. Zizou. Zizou. Oui, Zizou. Il est là, mon Zizou. Il dribble. Il dribble. Il tire. Erreur du gardien. Non, pas erreur. Attends, il a sauvé le jeu. La passe. Oh oui. Oh oui. But contre la Chine. Moi j'arrive à pied par la Chine, qu'est-ce qui se passe? Allez, envoie le bousin. Envoie le bousin. That's pretty fun even when I'm playing Bubsy 3D. Exactement, tu peux en faire une quote, hein, Berbs. Tu peux en faire une quote. Tu peux proposer la quote. Captain Tsubasa. Oui. Oh. Shit. Viens là, ma douce. Viens là, ma douce. Oui. Feinte. Oh, faute. Faute. Cornal touche. J'ai inventé ça. C'est bien vu. Cornal touche, c'est pour mettre un petit peu de piquant dans le jeu.
En fait, une corner touche, grosso modo, hein. C'est comme un penalty, mais à la main et du point de corner. Ça, c'est très dur. Mais non. Pas bon du tout, ça. Pas bon du tout. Fais-moi une place au fond de ton corps. Oh oui. Oh oui. Attention. Faute là, excusez-moi, mais c'est faute. Faute. C'est comme du basket. Ah non, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Imagine. Il passe en revue la un pénalty du point de corner avec, à la main. Il la renvoie. Il tente une frappe de la très tête. Dur à rentrer. Super barré. Baudjian. Baudjian. Qui. Ou non. Ce coup de sifflet signale la fin de la première mi-temps. Yo sniper. Et maintenant pendant la pause. Comment on va? Allez, j'y crois. Et voici le coup d'envoi de la deuxième. Eh, c'est long mine de rien. C'est long. Zizou. Tire. Plein dans les mains du gardien. Bah oui. 5 minutes d'écoulées dans la deuxième mi-temps. Viens ici Madouf. Viens ici Madouf. Ils se précipitent tous les deux dessus. C'est une situation intéressante. La moitié mort, c'est le plus fort. Goku. Goku d'Es. Ah, Zidane. Pas du tout. Ah oui. Il réussit à passer. Il a le pouvoir de l'amitié. Il tente un tir. Adidas Power Soccer. Adidas Power Soccer. Il a dévissé cette passe. Ah, il a complètement dévissé, là. Zizou. Maintenant. Oh, il le lance. Il est passé. Oh, le poteau. Oh, le poteau. Ouais, les deux jeux Dragon. Il y a un Dragon Ball Z et un Dragon Ball GT en jeu de baston, ouais. Ils sont très moyens, les deux. Très, très, très moyens, les deux. Quoique le final bout partait d'un bon sentiment. On tente la 3D, on fait quelques trucs. En plus, on fait les choses de manière très périlleuse. Parce qu'on forcément on utilise Dragon Ball GT. Ce qui n'est pas la meilleure idée de l'univers. C'est quoi cette passe pourrie ? Intercepte. Le ballon ne passe pas. Le ballon ne passe jamais. Oui, Zizou. Oui, Zizou. Et oui. Thierry Henry encore. Thierry Henry, meilleur buteur de la compétition, c'est sûr. C'est sûr. On est sur du Thierry Henry sur 20. On est complètement sur du Thierry Henry sur 20. Je vais même pas poser la question, ça va être Thierry Henry sur 20. Mais non. Ah, quoi que si. Autopasse. Regardez-moi cette magnifique autopasse. Il n'y a pas Cantona, mais moi aussi je suis déçu, il n'y a pas Cantona. Mais il y a Thierry Henry qui fait le café. La France, ils se sont beaucoup démenés et s'en sortent. Le baston DBZ après le Budokai. Ouais, après les jeux de baston DBZ sur Super Nintendo, c'était pas mal. Alors Rémi, que pensez-vous de ce match? Puis il y en avait un drôle sur Saturne, on pouvait jouer à plusieurs, enfin c'était assez chelou. Franchement c'était pas mal, ça faisait le café aussi quoi. Il n'aura pas Zidane sur 20, mais non, on verra qui est le meilleur buteur. Il aura un meilleur but. Il sait faire du bon café. Oh, les blagues pourries. Au secours. Il aura meilleur buteur sur 20. Donc, sauver. Petite sauvegarde. Ouais, moi je l'ai trouvé bien à l'époque, mais bon, à l'époque, évidemment. Prendre deux blocs.
Start, putain. 1-0 contre la Chine. Ouais, mais j'y suis allé en douceur. J'y suis allé en douceur, évidemment. Hein, on n'est pas, à l'abri d'une blague. Fais-moi une place au fond de ton cœur. Fais-moi une place au fond de ton cœur. La 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 la. La la la. Passer au match suivant. Oui, passer au match suivant. Mais non. Passer au match suivant. Oui. Contre je ne sais qui. Mais ça va, ils ont l'air sympas. Ils ont l'air très sympas. Qu'est-ce que vous regardez? Oui. Ça, c'est bon. Là, vite fait. Paf. ...150 persos. Oh, le truc de con. Alors. Ah, transformation comprise, d'accord, oui. Ouais, donc du coup, ça fait quand même beaucoup moins. Allez, ça joue. Ça joue. Allez, Zizou. Ok, nous sommes prêts pour le coup d'envoi. Faute. Oh oui, oh il la glisse. Mais non, je vais faire la passe fenêtre. Avec sa tête. Avec sa tête. Avec sa tête. Il met la tête. Il tente un tir. Le bœuf. Francky. Vas-y Francky, c'est bon. Le voilà qui s'échappe. Shoot. Dommage. Ils ont droit à un corner. Voilà une occasion. Et shoot. Faute. Faute. Oh là 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 là. Vous allez vous faire bâcher par des gens qui vous aiment peu. Il tire. Il tire. Là dans les mains du gardien. Eh oui, je sais. Je sais, je sais. On a retardé. Oh mon dieu. C'est n'importe quoi. Ça part en couille. Ballon redonné vers le Yo viande, comment on va? Dans les airs. Oui. Ah oui. Ah oui. Il ne peut s'en saisir. Le gardien s'impose facilement. 74 bigorneaux. T'auras jamais ta tasse, viande, c'est sûr. Tu n'auras jamais ta tasse, je suis désolé. Pas assez assidu, pas. Oh, j'ai pris un pion. Oh, j'ai pris un pion, mais qu'il est beau en plus. J'ai pris un pion. Il est passé. Mais non, il fait une passe. Fais-moi une passe au fond de ton cœur. C'est une action en vue d'une attaque. Il reste 5 minutes à jouer dans la première mi-temps. Oui. Le pion du bloc. Le blocage intempestif. Il tire. Pas de problème pour le gardien. La première mi-temps prend fin. Ah, je vais pas perdre. Je vais pas perdre, bordel. Et voici le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Vers la droite. C'est bien vu. Perdre contre la Croatie. Ah, ça peut arriver. C'est ah, court. Putain, ouais. Oui, évidemment que c'est court. Je suis infini. Je suis l'alpha et l'oméga, cassez-vous.
15 minutes d'écoulée dans la deuxième mi-temps. Prends-moi cette balle. Prends-moi cette balle. C'est clair, le doublé de Thuram. Il est où Thuram? Faut que je file la balle. Vira, c'est pas lui. Attention. Ouah, il joue la montre. Le bœuf. Francky. Allez Francky. Rejoins gros. Safe state au pire, hein. Sans déconner, safe state sur un jeu de foot. Donc. J'ai pas fait de safe state sur Fade to Black, c'est pas pour en faire là. Hein. Ah Zizou. Ah putain. Prochain jeu c'est Klonoa. Klonoa. Il cherche un partenaire. Non, tu faut que tu mettes en cours ou current. Pas next. Fuck. Non, un coup à la côté. Oui, mais il ne peut pas se permettre de rater des occasions. Ah et puis le côté ça là, faut que je te mette un pion. Avec sa tête. Avec. Mais non, mais non, mais non, mais. Ouais, Klonoa, c'est cool. C'est cool. Je vais pas perdre contre la Croatie, j'ai pas le temps. Putain, mais. Il y a blocage quand même. On est sur des beaux boîtes. Il a anticipé la passe. Merde! Fais entrer du Gary, mais c'est clair! Faire des remplacements, là, c'est pas possible! Il driblerait l'équipe adverse dans une cabine téléphonique. Il driblerait l'équipe adverse dans une cabine téléphonique? Qu'est-ce que foutrait l'équipe adverse dans une cabine téléphonique? Il n'y a pas hors-jeu! Une cabine téléphonique? Oui! Ils se précipitent tous les deux dessus! Oh, c'est la lose! Ils ont perdu un c'est la lose! En première phase. Your list is missing a few really important games. What kind of games? Alors, Amy, que pensez-vous de Because there's stuff that only came in North America and not in Europe. So, first of all, I really want to beat all the game that came in Europe. And after that, I'll see if I can beat all the all. Mais non, casse-toi. If I can beat all the North American game and then maybe the Japanese one. But I really need to practice my Japanese. Attends, charger les données. Il y en a un qui est mort. Thierry Henry. C'est une blague? Ils l'ont exécuté, le pauvre. Le pauvre, ils l'ont démonté. Yeah, no problem. Have a look. Twisted Metal 4. Le terrain est en bonne état. Bonjour à tous les membres. En PS1, there's Twisted Metal. Comme d'habitude, notre spécialiste est Rémi Garde. Arakiri, le double. Recodéine. Gros jeu, ouais, comme tu dis. Il est temps que le match commence. Quelle passe! Voilà. Tire. Oh là là! Boum bébé! Boum! On est bon. Là on est bon. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Damn, I'm good. Et merci Polos Ratchet, des bisous! Il évite leur jeu. Attention, il tire. Ils sont chauds. Ce ballon ne voulait pas. Ils sont chauds. Mais j'allais sauvegarder. Sauvegarde sur main. Non, non, ça va être Thierry Henry sur main. Parce que là, c'est encore Thierry Henry qui fait tout. Quoi. Crash Team Racing. Ah, oh, I've already done that game.
On a une touche. I've already done it. Because you can sort the list. You can sort the list to see which game I've already beat. Vieira. Vieira. Ça rentre vers le but. Une passe de la tête. Non, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que Crash Team Racing, il l'a pas eu au Brésil. Ou que ça lui manque, qu'il aimerait rejouer. Il n'y a pas hors-jeu. Je la suis très content. C'est long. Non, mais y a personne. Il est démarqué. Enfin, il a l'air démarqué. Il tire. Oh, tu rames, tu rames. C'est long. Tu rames. Il la renvoie. Pousse-le dedans. Il dribble. Directement sur le gardien. Il y a un zéro, il y a un zéro. Il tire. Oh, joli. Excellent. Une petite course d'approche. Oui, ils vont sûrement nous offrir une combinaison pratiquée à l'entraînement. Oh oui. Thierry Henry. La seule chose à faire, ah non, c'est un but contre son camp de Motas. Mais c'est Thierry Henry qui a shooté. C'est le chou de Thierry Henry qui a tout fait. Thierry Henry again. Oh oui. C'est une faute. Oh, c'est une faute. Oh, je vais tenter le piqué. Rémi, quelles sont leurs chances sur ce coup franc? Il est toujours très dangereux sur ce genre de coup franc. Tire. Le gardien est là. Yeah, I've already done Crash Team Racing. The game is already beaten. It's on the 50. Already beat. Et maintenant pendant la pause, nous allons. Et la deuxième mi-temps va débuter. Bien Amadeus. Mais non. No. Maintenant il faut attaquer. C'est dans les airs. C'est dans les airs. Il doit rester le marbre. C'est une corne à le touche. Très belle corne à le touche. Va-t-il la récupérer? Oui. Ah oui, c'est le tordu. Salut Dark Black. Salut Dark Black, bienvenue sur le marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone, bordel! C'est pas moi qui le dis, c'est Télé 7 Poche. Toujours ce Télé 7 Poche. Oh Zizou! Zizou, bordel, Zizou! Un pressing appuyé de la défense va les attendre. De Saï. Bouge. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu, Thierry Henry. Thierry Henry, tu m'as déçu! Tu m'as déçu, vraiment! Tout ce pognon que j'ai misé sur toi, Thierry! 25 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Vas-y, ça pique. Ça pique, oui! Quelle passe! Oui, impeccable, toi. En plein milieu. Impeccable. Shoot! Un remplaçant a commencé à s'échauffer. Un remplaçant s'échauffe. Et un volcan s'éveille. Fuck it. Oui, Vieira. Le missile Vieira. Ah, fuck. Defense. Oh, Wilton.
Maintenant, il faut attaquer. Pas de problème pour le gardien. Tu me déçois, Thierry. Ah, c'est pas les jeux les plus intéressants, c'est pas les jeux les plus haletants, hein, les jeux de sport. Mais il faut les faire. Il faut les faire. Il tire. Oh là 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 là. La France, ils ont réussi à se qualifier pour la deuxième phase avec une victoire impressionnante. Très bon. Allez, on enchaîne. Vite, il reste combien de matchs? Sauvegarder. Vite. Quick. Really quick. Envoie le bousin. Ouais, c'est bon. C'est bon. Passer au match suivant, oui. Oui. France-Pays-Bas, là. Allez, c'est parti. Vite. On donne tout. But sur but. Voici le coup d'envoi. Here comes a new challenger. Et merci Dark Black pour le follow des bisous. Tu contribues à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est beau. Fouillage du gardien. Ballon redressé. C'est quelle année ce jeu? Je sais pas du tout. Oh, ça doit bien être 2000. Il tire. Donc, je sais pas si tu connais le principe de l'émission, Dark Black. 10 minutes découlées. Faut que je torche le jeu de la PS1. Un bon gros console challenge PS1, donc européen dans un premier temps. On verra. Déjà, je vais faire tous les jeux européens, après on verra. Orange 005. Ah ouais, ils ont pas les noms des Pays-Bas, quoi. Excellent. Et donc, à chaque fois que je finis un jeu, à chaque fois que je commence un nouveau jeu, surtout, l'un d'entre vous choisit le jeu d'après. Et ça, c'est bon. Il l'expédie en plein milieu. Après, t'as le planning en dessous en sachant qu'il va changer. À partir de dimanche, il change. Ce sera de dimanche à jeudi, de 22h à 4h du mat, heure française évidemment. Voilà. Oh, c'est Henri. Bien vu. Henri? Henri, Thierry Henri, oui. Attention contre. Attention contre. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Non. Le ballon est en l'air. Je vais tourner le chrono. Le truc d'enfoiré. Oh non, on va essayer de marquer. Faut pas déconner. Il ne peut s'en saisir. Oh zizou. Les graphismes ont évolué en 15 ans, complètement. Complètement. Voilà une c'était un petit peu ça aussi. C'était la course au graphisme. Le gardien s'impose facilement. C'était vraiment la course au graphisme pendant un moment. C'est la fin de la première mi-temps. A l'époque, ce jeu était complètement fou. Oui. Le coup de sifflet signale le début de la deuxième. Il y avait un bel engouement autour de ce jeu-là. Ça commençait vraiment à claquer dans la simu, mais jouable. Hein. Ça reste quand même arcade. C'est simu, mais c'est simu pépère. Quelle passe. C'est simu avec beaucoup d'amour. On a une touche.
On a une touche. Ouvre un moule et trouve une poule. Maintenant, il faut attaquer. Et voilà. Et voilà. La France, ils accentuent leur avance. Et voilà. C'était les meilleurs jeux à cette époque. Les meilleurs jeux de foot, à la limite, mais après, les meilleurs jeux quand même. Avec sa tête. Allez, on va le bousin. On va le bousin. Ah merde. Oh plaisir, y en a qui kiffent. Hein. Y en a qui ne jouent qu'à PES. Il est passé. Moi j'ai un pote qui a une PS4, il a 3 jeux. GTA, PES et Call of. Voilà, il est bien. Bah écoute, c'est son choix, il a le droit. Il en faut pour tous les goûts, toutes les bourses. Merde. Pas eu le temps de faire la belle passe, mais y a pas faute. Ouais, il y avait un mode carrière et tout ça, un mode League Master. Joli. Martez. Wilton. Il passe. Oh, il passe. Il tente un dribble. Un remplaçant a commencé à s'échauffer. Il a touché, dommage. Mmh. J'aurais fait un ciseau, quoi. Les ciseaux de Monsieur Garrison. Il frappe de la tête. Zizou. Il doit être interdit de prendre la balle à Zizou. Il passe en revue la défense. Oui. Ça rentre vers le but, dans les airs. Fuck. Ah mais Silent Hill, oui, bien sûr. Pour moi, Silent Hill, ça bat tous les trucs qu'on a fait jusque-là, hein, quasiment. Pousse-le loin. Pousse-le au loin. On s'est bien vu. Il la frappe dans le paquet, dans les airs. Maintenant, les contre-attaques. Non, pas là. Putain. Arrête de faire le con, viens-moi la balle. Voilà. Ouais, c'est ça, FIFA, Call of GTA ou PES, Call of GTA ou PES, Battlefield GTA. Voilà. Alors, Rémi, que pensez-vous? Mais. Bah, il en faut pour tous les goûts. Allez, dernier match ou avant-dernier match, je ne sais pas. Avant-dernier match, France-Irlande. Sauvé. Allez, deux matchs et on a terminé. On fait le vote et après on se dit bisous, bye bye. Les gros jeux. Si, ça joue vachement à Rocket League maintenant. Là, ils sont tous hypés là. C'est la Rocket League hype, quoi. Rocket League hype. France-Irlande, oh mon dieu, Thierry Henry, Thierry Henry, France-Irlande, rappelons-nous. Je vais faire GTA, oui, si quelqu'un me demande de faire le GTA, enfin les GTA, parce qu'il y en a plusieurs hein, sur PS5, je l'ai fait, je fais tous les jeux de la PS1. D'un moment à l'autre. Donc dis-toi que si un jeu je l'ai pas fait, il faut que je le fasse. La défense fait le forcing. C'est un 6 mètres. Non, mais c'est but là, Thierry Henry, bordel. Là, pas de chance. Rocket League, j'aime bien. Ouais, je suis pas fan non plus, quoi, mais c'est pas. J'y jouerai pas en tout cas. Je passerai pas ma vie à jouer. Ouais, GTA, j'étais à London, j'étais à 2. Il y en a 3, je crois, de GTA. Du coup, il faudra que je les fasse. Ouais, je les termine. Donc, si vous n'avez jamais vu la fin de ces jeux-là, mais ici, vous la verrez. C'est sûr. Je ne me laisse pas le choix. J'aimerais la vie GTA. Bah écoute, si t'es choisi à la fin d'un jeu, tu peux me demander de faire GTA et je ferai GTA. Il l'envoie en cloche vers le but. 15 minutes d'écoulé. Donc n'hésite pas à repasser, n'hésite pas à, voilà,
à venir de manière extrêmement folle, de faire de la publicité sur tes réseaux sociaux favoris, hein, y compris évidemment la cour de récré au moment du goûter, voilà, faut faire le show. Il tire. Pour GTA London, tu seras forcé de finir le premier GTA avant. Et pourquoi? Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Touche. Non, je crois pas, hein. Le jour où il fait GTA, je vais être là. Mais moi, j'aimerais que vous soyez là tout le temps. À vite, c'est les mecs collés, quoi. Belle accélération. Je vais roquetter ton league. Je roquette mon league. Il n'arrive pas à conclure. Non, j'arrive pas à conclure. J'allais conclure, bordel. Dommage. Il avait vissé. Je suis un auteur noir sur DS, ouais. London, c'est un DLC de GTA 1. Ouais, mais sur Play 1, c'est un CD à part. C'est pas DLC. Donc tu peux très bien faire London directement. Quoi. Il marche pas, Stabator chez eux. Alors, ça, je suis persuadé que c'est faux. Je les vois mal forcer des gens à finir un jeu pour en acheter un autre. Vu que leur but, c'est quand même que t'achètes de la galette. Quoi. Donc, non, à mon avis, t'as pas besoin de torcher le 1 pour faire le London. Ça me paraît tellement impossible, improbable. Un problème de communication juste. Maintenant il faut. Tu sais que GTA 2, t'as un code pour y jouer. Ballon redonné vers le centre. Sur le GTA 2 là, t'as un code. Je vais te montrer ça vite fait. Il est où GTA 2? Sur GTA 2 là, t'as un code à incruster évidemment pour pouvoir jouer. Espèce de contrôle parental. Donc s'il faut, c'est ça en fait, c'est juste un contrôle parental. C'est pas un truc que tu récupères à la fin de GTA, hein. C'est un truc que tu... Oh, j'ai la carte aussi, putain, j'ai la carte, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, d'ailleurs il est où le code? Il est dans le manuel, je crois. Bon, on s'en fout, on verra plus tard, on va finir ce jeu déjà, parce que sinon c'est le bordel. Ça va être le bordel. Sur PC, c'est... Ouais, sur PC, c'est peut-être une extension. Mais sur Play, tu peux pas avoir. Ça n'existe pas, les extensions sur Play. Ça n'existe pas, les extensions sur Play. Voici le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps. J'ai craqué London, mais il ne marchait pas. Ouais. Non, non, London, tu peux le faire directement. Hein, sur PC. C'est le coup d'envoi de la seconde période. Il n'y a pas de disque dur sur la Play 1. Donc, tu peux pas avoir d'extension. Bah, t'as une carte mémoire, mais t'imagines le bordel, quoi. Alors ça te fait un tout petit jeu, quoi. Ça te fait un tout petit jeu sur une carte mémoire. Oui. C'est long. Ah putain, dommage, j'ai vu le ciseau partir. Il dribble, il tire. Erreur du gardien. Mais non, pas erreur, il a géré. Il a fait un super barré, quoi. Driver 1, je l'ai fini. Et Driver 2, pas encore. D'ailleurs, je l'ai retrouvé, j'ai le 1 et le 2 en fait du Driver. J'ai Driver 1 et 2, je pensais que j'avais que le premier en fait, non j'ai les deux. J'ai les deux. On va encore faire un match nul, j'ai pas le temps. Dites-leur qu'on a pas la le temps. France, c'est une action en vue d'une attaque. Et c'est toujours une action en vue d'une attaque. Il réussit à passer. Le gardien tente une sortie. Oh le bordel. Salut SG Tarno. De quoi? Pour jouer à London, faut mettre GTA, attendre l'écran, puis changer le CD et mettre London. Ça me paraît tellement improbable. Ça me paraît tellement improbable. Et merci Sergent Tarlo pour le... Je pense que SG c'est Sergent. Pour le follow des bisous. Tu contribues à rendre le meilleur. Et ça c'est beau. Ça me paraît tellement improbable. Parce que les mecs qui achètent GTA London mais qui n'ont pas le GTA classique, ils sont baisés. Donc je pense que c'est juste impossible. Mais bon. On a une touche. T'as peut-être raison. Mais ça me paraît tellement improbable. Mais non. C'est bien vu. Prends la balle, voilà. Sans le GTA original, tu ne peux pas y jouer. Et il ne reste que 10 minutes de jeu. Je suis assez étonné. Je suis très très étonné, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui fait un flop commercial, quoi, surtout à l'époque.
Va-t-il la récupérer? Mais non, mais réfléchis! Oh, je vais devoir refaire le match. Quoique non, il y a un match nul, il y a encore moins de gagner. Allez, dernière action. Oui, le tordu. Oh oui! Oui, c'est le but! Le but de Will Tordu! Première extension commercialisée sur PlayStation. Ok. Putain, je suis très étonné. Je suis très très étonné. La France. Surtout que du coup ça sert à rien. C'est juste une protection en fait. Tu mets le CD, ça va. Enfin, la mémoire interne de la Play est tellement faible. Tu mets le CD, ça va juste lire la protection. Et ensuite tu vas remettre London. En fait, t'as déjà tout le jeu sur London. C'est très bizarre. C'est très bizarre ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. De toute façon, on verra en temps voulu. On verra en temps voulu. Au pire, dans le doute, je chopperai les deux quand il faudra faire London. Et puis voilà. Finale. Allez, la finale, et puis on se quitte. Enfin, la finale. On vote pour le jeu suivant et on se quitte. Et on se retrouve à 23h. Sauvé. Voilà. Alors, en tout cas, les gens, je vous donne un petit peu de lecture pour que vous appréhendiez évidemment les tenants et les aboutissants de cette émission absolument incroyable. Oui, à mon avis, t'as les deux gravés, ça marche. Complètement, quoi. Voilà, avec ça, vous êtes parés pour comprendre ce qui se passe ici, quoi. Allez, dernier match. Dernier match de l'amour, comme ça, le jeu est torché, ça fera un jeu de plus. Commencez le match. Le terrain est en bon état. Bonjour à tous les mordus de foot, ici Cyril Linette. Et notre spécialiste aujourd'hui, Rémi Garde. Content de vous voir, Rémi. Bonjour à tous les fans de foot, c'est un... Oui, bonjour à tous les fans de foot. Pro Evolution. Bienvenue sur Pro Evolution, Soccer. Quoi, c'est le Maroc en finale? Alors, laquelle de ces deux équipes s'achemine vers la gloire? La foule t'apprécie. C'est vraiment le pile ou face à chaque fois. Oh non, j'ai rien dit, ils sont bons. Ils sont bons. C'est le Maroc de la belle époque. Rappelons-nous. Vira. Il laisse son défenseur sur place. Vira. La passe. Ah putain, j'ai trop poussé la balle. J'ai trop poussé la balle. Yogzor. J'ai trop poussé la balle. Dix minutes de jeu. Il a anticipé la passe. Oh oui! La frappe de Zizou! Les supporters ne peuvent pas. Oh, de toute façon, ça va être un tir en 8 sur 20, c'est sûr. Quel gâchis! On verra en temps voulu, de toute façon. Ça risque d'être drôle. Mais non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, bordel! Hors-jeu! Il est parti trop Yo Sampo! Donc qui arrive sur la fin du stream quoi. Il frappe de la tête. Alors normalement j'aurais déjà dû finir, mais bon. On finit le match. Comme ça on switch. Attention. Il tire. Oh la sortie dégueulasse. Le Maroc en finale, oui. Une France-Maroc. Très 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 belle finale. Sur la pelouse avec une grande élégance. Oh la grande élégance. Une belle élégance, une belle ambiance. Les belles ambiances. Il ou Cantona? Cantona. Ouais. Henri. Allez. Attention, il est parti. Mérite ton Henri sur 20 toi. Tu veux le mériter ton Henri sur 20? Thierry Henri sur 20, ça se mérite, excusez-moi. Oh la faute!
me donne de la tête. Fuck. F-U-C-K. Fuck. Le ballon ne passe pas. Le ballon ne passe pas, évidemment. Le ballon est en l'air. Oh, ça passait. Ça passait. J'ai entendu bonjour aux fans de foot, je suis poli. Ok, ça marche. Ça marche. Le coup de sifflet signale le début de la deuxième mi-temps. Ouais, début de la deuxième mi-temps. Oh oui. Oh oui, il tord. Priez pour lui. Priez pour l'âme de Will Tordu. 5 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Zizou. Interception cruciale. Oh putain, il est hors jeu. Le ressort pour utiliser le gravier. Il essaie de prendre au piège du hors-jeu. Ah oui, le ressort. Ah, c'était un coup à flinguer quand même le... A flingué le tourneur là, enfin, je crois qu'on dit. On a compris. On se comprend là. Attention. Un corner. Oh, si je perds contre le Maroc, c'est n'importe quoi. Oui, ils vont sûrement nous offrir une combinaison pratiquée à l'entraînement. Ouais, une combinaison spatiale. Qui va l'emporter? Henri. Henri. Tout seul. Henri, mais voilà, Thierry Henry sur 20. Thierry Henry sur 20, messieurs dames. Ça va être un Thierry Henry sur 20. Quoi. Je mettais un cure-dent. Ouais, moi j'avais ressort aussi. J'avais testé cure-dent au début, mais ça me plaisait pas trop. Un remplaçant s'échauffe le long de la ligne de touche. Maintenant il faut attaquer. Tout le monde est lobé. Mais y'a personne, mais tout le monde est lobé, évidemment y'a personne. 25 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Reprends cette balle. Reprends cette balle. Ne les laisse pas marquer. Voilà. Lourd. Touche. Lourd. Et voici un changement. Quel toucher de balle. Tu habites en France, dans le sud de la France. Voilà. Dans le sud de la France. Tout en souplesse. Fuck. Touche. Allez Pires, muscle ton jeu bordel. Muscle ton jeu, voilà, muscle, voilà. Ça c'est musclé ça. Oh, il l'a littéralement volé. Ronaldo V Football. Ça c'est les grosses ambiances pour Ronaldo V Football. On s'est bien vu. Ah mais non, c'est le gardien. Au cure-dent. En fait toutes les techniques qui te permettent de laisser appuyer sur le truc, ça marche. Oh, quel fouillage du gardien. Ça sera un corner. Voilà une occasion. Ça marche très bien. Vieira, Vieira. Maintenant il faut attaquer. Ça rentre vers le but. Allez, la fin du match. La France. Oui. Ça y est, victoire. On peut arrêter le, timer. Et on peut voter pour le prochain jeu. Magnifique. Alors Rémi, que pensez-vous? Allez, bim. Du match? C'était un grand match. Allez, il suffit de parler dans le chat, de mettre ce que vous voulez dans le chat, et bim, vous êtes éligible. Ici Cyril Linette, votre co-commentateur aujourd'hui était Rémi Garde. Merci. Vous êtes éligible. Champion du monde. Champion du monde. Allez, Pro Evolution Soccer. PPP. Calmez-nous. C'est là. Hop. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Voilà, on va laisser ça. Pendant ce temps-là, moi, je fais la fin. Donc, c'est toujours le 5.
04-2017. On l'a fini en... putain, 1h. 06 minutes. Et 22 secondes. Joker utilisé 0. Et on lui met un Thierry Henry sur 20. Voilà. Et donc, tout à l'heure, ce sera... Ah, mais c'est déjà Chijika. Clonoa. Clonoa. Ah, il n'y a pas de sous-titres, là. C'est juste Clonoa. Et donc, finir le jeu de manière tout à fait classique. Salut, Alex. Salut, Alex. Asdakulene. Oh là là, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui remet le trophée. Mon Jackie. Donc ce sera toujours le 5-04. Toujours. 2017, bim. Et donc c'est parti. Le goal qui fait un plat. Ah, mais ils sont géniaux. Ils sont géniaux. C'est parti, c'est le drop pick. Qui va choisir le prochain jeu? C'est Lord Wolf! Alors attends, Lord Wolfu, est-ce que tu as déjà choisi un jeu? Lord Wolf, ouais, t'en as choisi deux, donc tu peux choisir ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux, c'est ton, vu que c'est là, là t'es reparti sur un choix du cœur. Donc vas-y Lord Wolf, je t'écoute. Même si je crois savoir. Hein. Je crois savoir déjà le jeu. Mais bon. Je t'écoute. Complot. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, edit. Et copier. Ouais, il a gagné trois fois. Ouais. C'est pas le seul à avoir gagné trois fois. En fait, ça me va bien. Enfin, disons que ça me va bien que vous gagniez deux fois. Parce que la deuxième fois, vous êtes obligé de me foutre un jeu de merde. Genre un jeu de foot. Genre, voilà, PES. Ça me permet de les faire, sinon personne ne les choisit, ces jeux-là. Donc, c'est intelligent. Here comes a new challenger. Et merci beaucoup, GreenDBR, for the follow. Thank you so much. Plenty of kisses for you. You make the world greater, and that's good. Chase the Express. J'en étais sûr. Chase the Express. Lord Wolf. Allez, c'est validé. Je save. Je le mets ici également. Chase the Express. Voilà, c'est sauvegardé. Boom. Je vais là. Boom. Je suis une fougère. Salut Jokari. Bonne fougère à toi. Ah oh, putain, ça me rappelle un pote Simon qui dit tout le temps ça. Simon, il dit tout le temps ça aussi. Fougère. C'est des blagues de Zikos. Here comes a new challenger. Et merci Jokari pour le follow. Des bisous. Tu contribues à un monde meilleur. Et ça, c'est beau. Bienvenue les gens. Bienvenue sur le marathon le plus intrépide du rétro gaming français. C'est pas moi qui le dis. C'était les 7 poches. Très bel article. Donc le prochain jeu c'est Clonoa. Et le sous-titre c'est quoi? Putain, c'est quoi le sous-titre? Ah oui, c'est ça. Copier. Copier. Coller. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Pourquoi il n'y a pas la musique là? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on a les... Fais-le-moi rencontrer. Mais écoute, ou un de ces quatre. Merde, pourquoi je fais ça? Oui. Un de ces quatre, avec grand plaisir, quand il passera par là. Il viendra streamer avec moi. Je ferai streamer un jeu merdique. Ça va le calmer. Allez, je finis ça. Je finis ça et je vous fais des kisses. Chase the Express en français. Un train qui va à Saint-Pétersbourg. De Saint-Pétersbourg à Paris, avec à son bord un ambassadeur et les têtes nucléaires. Fatalement, un certain nombre de terroristes vont se jeter là-dessus. Et face à eux, vous, évidemment,
Oh putain, c'est en deux disques. C'est en deux disques la plaisanterie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, moi je vous dis à ce soir. Je vous dis à ce soir 23h. Alors n'oubliez pas encore une fois, hein, je vous le mets pour vous le rappeler. Pour l'instant, on reste sur le planning qui est affiché. Mais à partir de dimanche, ce sera 22h, 4h du matin du dimanche au jeudi. Voilà. C'est que des vougères remporteront sur le règne des êtres humains. C'est ce qui se dit. Après, moi honnêtement, honnêtement. Tiens, je te mets un peu de lecture. Je te mets un petit peu de lecture, Jokari, que tu comprennes un petit peu les tenants et les aboutissants de ce marathon épique qui devient, même qui est, on peut dire qui est maintenant, la chaîne rétro gaming francophone numéro 1. Numéro 1. Et c'est grâce à vous. C'est vous qui faites de cette chaîne-là, chaîne rétro gaming number 1. Merci beaucoup, le mec s'envoie pas trop de fleurs. Oui. Voilà. Allez, on est bon. Qui peut-on aller embêter? Qui, que, quoi, comment, pourquoi? Je regarde vite fait qui stream et pourquoi. Voilà, on va aller hoster. Je vais aller hoster quelqu'un, ça lui fera plaisir. Voilà. Bon, l'après-midi, hein, vous savez ce que je vous dis, l'après-midi, on n'est pas nombreux, on a une trentaine et plus, quoi. L'après-midi, on a une trentaine et plus. Alors que le soir, on est 50 et plus. Je ne sais pas. Ok, ça marche. Ça marche lors du Wolfu. Ah, il y a Fantomette. Ah, lui, je l'ai pas hosté encore. Alors qu'il est sympa. Donc, on va l'hoster de suite. C'est un bien évidemment. La Grèce. Il fait un marathon également, mais sur Super Nintendo. Un bien parce qu'il du Fallout. Pourquoi je l'ai pas dans mes trucs là? Ah, c'est chiant. On l'hostera plus tard. Chonk, un petit air du faible. Non, on va hoster Aerius. On va hoster Aerius qui fait. Un marathon Super Nintendo. Voilà. Histoire de changer un petit peu. Qu'on aille voir un petit peu tout le monde. Voilà, je vous fais des câlins, des bisous. Et je vous dis, bien évidemment, à ce soir. Encore une fois, moult merci. Et reposez-vous bien à ce soir. Soyez sages. Soyez sages. C'est pas possible, là. Ces gens ne sont pas sages du tout. Hein. Que le prochain Digimon World. Mais le prochain, ça pourrait être toi, Jokari. C'est ça qui est beau. Allez, des bisous, à ce soir. Soyez sages. Enfin, essayez, évidemment. On n'est pas à l'abri. Ce soir, pour Clonoa, le jeu de l'amour. Au revoir. Les deux équipes sont en place et nous sommes prêts.